Bien, mes chers collègues, je vous propose qu'on qu ouvre cette nouvelle audition. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Léonce Dupont, vice-président de l'ADF et président de la commission finances de l'Assemblée des départements de France, ainsi que Jean-Luc Glaise, secrétaire général de l'Assemblée des départements de France et président de, de ce si beau département de la Gironde. Euh, je, je dois, euh, au nom de, de François euh, Sauvadé, partager des excuses auprès de vous tous puisqu'il a une contrainte personnelle qui fait qu'il souhaitait se rendre euh, à cette audition, naturellement, et qu'il n'a pas pu, euh, il pas pu euh, le faire, euh, hélas. Mais il est euh, très très bien représenté et nous aurons l'occasion de toute manière de le, de, de, de le voir euh, de nouveau. Et puis merci, euh, chers collègues, de, de vous être rendus euh, disponibles. Dans ces moments si, si intenses <laughs> à l'Assemblée, euh, pour, pour cette, cette audition euh, très attendue, je dois dire, dans la série des, des auditions qui, qui, qui sont les nôtres, et, et je voulais commencer euh, peut-être cette audition en, en citant notamment le, le président Sauvadet, qui avait noté lors de, de vos assises, qui ont eu lieu tout récemment, un vrai changement de méthode ces derniers mois. Et je trouve que c'est toujours bien de le, de, de le noter avec euh, la mise en place d'un dialogue régulier et constructif avec, euh, avec l'État et annoncer qu'un programme de travail commun État-Département serait établi, engagé d'ici la fin de l'année. Et, et, et je peux vous dire que nous serons nous-mêmes ici au sein de la délégation très attachés euh, à participer à ce travail. D'ailleurs, comme me l'a proposé il y a quelques minutes encore François Sauvadet au, au téléphone. Ce travail autour finalement d'un du, nouveau chapitre de, de décentralisation. N'oublions pas aussi de faire le bilan de, des différentes lois successives qui sont venues nourrir euh, aujourd'hui l'état de, de notre droit et des relations entre le, les départements euh, et l'État. Et donc nous, nous participerons pleinement dans, dans ce travail prospectif et, et collaboratif. Et vous pouvez compter sur, sur la délégation aussi pour être. Euh, dans une logique d'écoute, de, de construction, comme nous le faisons avec toutes les, toutes les associations, les associations d'élus. Je note aussi un peu en, en préalable de, de ces échanges que, que la Première ministre a fait un certain nombre d'annonces, là aussi qui, qui, qui pourraient nourrir le travail au sein de sa délégation, notamment le fait que les départements seront associés à la préfiguration de, de France Travail, qui je le crois, est une réforme importante aussi au regard de votre mission d'accompagnement des bénéficiaires du RSA, alors même que le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans. Il s'agit de continuer à avancer vers le plein emploi et cette réforme de France Travail, nous y sommes très, très attachés, que l'État s'engagera aussi aux côtés des départements qui sont en première ligne pour la prise en charge du grand âge et du handicap, avec toute une réflexion autour de l'attractivité des métiers du soin, du médico-social. Et puis, euh, je sais que vous y êtes euh, très attaché, et, et je vois Jean-Luc Glaise autour notamment de, des services d'incendie et de secours, euh, sur lesquels j'imagine que vous reviendrez euh, dans, dans, dans cette audition. Voilà, alors notre actualité, c'est aussi difficile de s'en détacher, le, le projet de loi de finances pour, euh, pour 2023. Donc euh, euh, peut-être pourriez-vous aussi revenir un peu sur la situation financière des... Des, des départements, euh, l'évolution de la recette aussi, comment vous voyez la, la poursuite de l'évolution des DMTO qui ont été extrêmement euh, dynamiques encore ces, ces dernières années, ces, ces derniers mois. Comment euh, voyez-vous aussi l'évolution des, des dépenses de, de solidarité euh, dans, dans l'année qui vient Et puis, euh, toujours pour rester sur le, le PLF, euh, dire qu'effectivement, sur la suppression de la CVAE, il semblerait que les départements aient été entendus par le gouvernement avec l'intégration d'une année de référence il n'y aura pas donc d'année blanche la non-territorialisation de la dynamique de, de la TVA. Je crois que le, le président Sauvadet l'avait demandé à de no, nombreuses, nombreuses reprises. Et puis vous dire que nous avons travaillé au sein de, de cette délégation pour protéger les collectivités territoriales face à, à l'explosion des prix de l'énergie avec un filet de sécurité en 2022 qui sera reproduit euh, en 2023 pour continuer à, à les protéger. Voilà un peu les, les thématiques qui... Euh, qui pourront faire l'objet d'échanges entre nous. Et je vous laisse tout de suite la parole. Merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs les députés. Je suis très heureux d'être accompagné de Jean-Luc Glaise pour participer donc à cette audition et à nouveau excuser le président Sauvadet qui effectivement pour des raisons personnelles ne pouvait finalement participer à cette rencontre. Merci de nous accueillir. Merci de la tonalité, Monsieur le Président, qui est la vôtre et qui montre bien, je crois, la volonté des uns et des autres de vouloir travailler ensemble. Alors, euh, beaucoup de... on va, on va peut-être avec Jean-Luc faire quelques mots d'introduction, et puis ensuite peut-être répondre à, à vos questions, même si vous avez donné déjà quelques directions. Alors tout d'abord, euh, vous dire que nous savons que votre Assemblée compte euh, parmi vos membres 70 euh, conseillers départementaux. Euh, C'est donc pour nous euh, une véritable satisfaction, parce que nous faisons partie de ceux qui pensent que pour faire passer un certain nombre d'informations et de remonter dans une République qui reste par certains côtés un peu, un peu centralisée, et je le dis à côté d'un vrai Girondin, euh, et bien naturellement... Y deux, et, 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 oui, ça. absolument. <laughs> et s'il n'y en avait que deux, d'ailleurs. Et, et, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui était effectivement important. Mais donc euh, nous sommes heureux de compter effectivement euh, l'ensemble de ces membres. Vous dire que nous sortons effectivement des assises, vous y avez fait référence, où euh, Madame la Première Ministre a fait un certain nombre d'annonces, alors de ces assises, peut-être euh, en généralité vous dire que naturellement l'ensemble des collègues présidents sont assez soucieux de la montée des précarités et des fractures. Euh, C'est effectivement euh, un champ qui est extrêmement important. Euh, je citerai en particulier le domaine de l'enfance, euh, pour lequel euh, l'ensemble des départements, vous le savez bien, suite à l'effet Covid, ont enregistré euh, des nombres de déclarations, de, de, de déclarations préoccupantes et font qu'aujourd'hui, a un certain nombre de décisions font que nous sommes plutôt dans une période extrêmement inflationniste dans ce domaine de l'enfance. Alors, vous avez euh, fait euh, donc référence à, à cette qualité de travail et, et au mot du, du président Sauvadet pour dire que nous pouvions être sous un jour nouveau. Alors, je, je vous le dis franchement, euh, en tant que très vieil élu, qui a 45 ans de mandat derrière lui, c'est vrai qu'en réalité, nous attendons effectivement une relation un peu nouvelle. Et si je devais la résumer, je la résumerais sous le mot de confiance. C'est-à-dire comment réellement rétablir une confiance entre les collectivités territoriales d'une manière générale et les départements particuliers et naturellement l'État central. Et c'est un mot pour moi extrêmement important. Et je dois vous dire, et je rebondis sur des propos que vous avez tenus, que notamment sur les discussions qui ont été les nôtres en matière de suppression de la CVAE. Vous savez que c'était une disposition pour laquelle, en réalité, nous n'étions pas demandeurs, au contraire. Mais nous avons vraiment, vraiment discuté avec euh, les ministres et les services du gouvernement, et, et vous l'avez noté, nous avons effectivement réussi à, à tomber d'accord sur, me semble-t-il, une situation qui est vraiment tout à fait acceptable. Euh, D'abord, prendre la TVA pour compenser la perte de CVAE, c'était une demande des départements, euh, éviter la territorialisation, ne pas avoir effectivement d'année blanche et prendre la dynamique de l'année 2022-2023, avoir une période plutôt triennale de référence et non pas un seul exercice, bref, je le dis parce que c'est une vraie satisfaction nous avons pu effectivement, sur des faits objectifs, dialoguer et arriver effectivement à ce que cette réforme puisse être, je crois, acceptable par les uns et par les autres. Donc c'est quelque chose d'extrêmement agréable. Euh, je ne euh, sais pas si Jean-Luc, tu veux intervenir à ce point-là, parce qu'après je reviendrai plutôt sur les problèmes financiers, ou j'y vais directement. Euh, alors, sur les, les sujets financiers, vraiment, j'insiste sur ce point. Et je vous le demande vraiment très sincèrement parce que je sais que l'exercice budgétaire est toujours compliqué pour les, les fonctionnaires de Bercy et qu'ils sont quelquefois sur une loupe regardée du très court terme. Nous sommes quand même obligés, nous, de réfléchir sur des périodes un petit peu plus longues. Et je voudrais vraiment que vous ayez conscience qu'il ne faut surtout pas prendre un, un moment de pic éventuel conjoncturel de recettes pour en faire des recettes structurelles pour dire clairement les choses, nous avons connu depuis deux ans à peu près un pic sur les DMTO. Euh, la tendance est en train de s'inverser. Elle a, je pense même, commencé à s'inverser. Et naturellement, nous avons beaucoup d'interrogations pour les années qui viennent. Euh, et je crois que personne n'est en capacité de dire exactement ce qui va se passer. Donc oui, nous avons euh, eu des recettes conjoncturelles. Euh, ces recettes conjoncturelles il faut évidemment les mettre en parallèle d'un certain nombre de dépenses qui, elles, sont structurelles. Et euh, il ne vous a pas échappé que depuis une dizaine de mois, un certain nombre de dispositions nationales ont été prises qui ont abouti en réalité à une augmentation structurelle de nos dépenses. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais euh, on va parler de l'article 43, de, de la revalorisation des ASFAM, des catégories B, 12, 10, etc., Ségur. du Ségur, bien sûr, et quand on met bout à bout, si vous voulez, l'ensemble de ces mesures, sachez que nous sommes sur un, un sondage que nous avons fait d'une augmentation de nos dépenses de fonctionnement de l'ordre de 4%. 4% structurel. Pourquoi je vous dis ce chiffre Très exactement 3,9% auquel il faut rajouter 1,9% d'inflation. Donc en réalité, nous sommes sur une augmentation de 5,8% de nos charges brutes. Je vous dis cela pour vous mettre évidemment en parallèle la réflexion que nous devons avoir sur entre guillemets l'effort des collectivités à participer à l'effort national car quand on se base sur des taux d'inflation diminués il faut avoir en tête que nous sommes nous départements confrontés en réalité à un certain nombre de dépenses qui sont des dépenses que nous ne pilotons pas et j'insiste sur cette expression pour vous dire que euh, la strate départementale a cette particularité les communes, les intercommunalités, les régions bien entendu ont euh, leurs propres difficultés de, res, de ressources et, et de dépenses. La caractéristique de la strate départementale, c'est que, ayant en charge notamment le champ de la solidarité au travers des AIS, il est clair que euh, nous n'avons pas à décider ni du montant ni du nombre de bénéficiaires et que ce sont effectivement des dépenses qui sont absolument non pilotables. De la même manière, j'y faisais référence tout à l'heure, euh, l'augmentation très forte des dépenses en matière d'enfance, donc due à l'augmentation du nombre de décisions euh, qui, qui, qui nous sont imposées, avec également toujours en préoccupation euh, le, le, le sujet des, 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 des mineurs non accompagnés, qui ont connu euh, un, un léger tassement, mais dont on peut penser qu'ils peuvent à nouveau réaugmenter. Vous le voyez bien, tous ces champs sont des champs sur lesquels la collectivité départementale n'a objectivement aucun pouvoir de décision. Et donc, nous additionnons, entre guillemets, l'ensemble des sommes pour pouvoir effectivement euh, effectuer nos, nos compétences. Et donc, euh, l'idée de faire participer les départements à l'effort national n'est pas une idée qui, en tant que telle, nous, euh, nous choque. Nous souhaitons simplement qu'il y ait une approche différenciée par strate de collectivité pour faire que ces efforts portent réellement... Sur des montants des dépenses que nous avons capacité à piloter. Et c'est pourquoi, en réalité, nous sommes dans la demande de dire que, par rapport à des trajectoires éventuelles, devrait sortir du champ d'analyse l'ensemble euh, du domaine de la solidarité, de l'enfance, auquel, de notre point de vue, il serait utile d'ajouter les conséquences de l'ensemble des décisions prises depuis une dizaine de mois et qui s'imposent à nous. C'était les, les 3,9% auxquels je faisais des références et pour lequel nous pensons qu'il ne serait pas illogique non plus que nous puissions sortir de ce champ l'ensemble des contrats passés entre l'État et les collectivités départementales. Je m'explique, nous avons un certain nombre d'entre nous été encouragés par l'État central à passer un certain nombre de contrats. Ces contrats engagent l'État, mais ils nous engagent évidemment beaucoup, et s'ils nous engagent, vous l'imaginez bien, ça correspond à des augmentations de dépenses. Donc, on ne peut pas avoir d'un côté euh, un partenaire qui nous dit euh, on aimerait que vous puissiez effectivement mettre telle ou telle politique nouvelle ou amplifiée dans tel ou tel domaine, et dans le même temps nous dire écoutez, on va euh, effectivement donc vous cadrer de façon extrêmement euh, sérieuse. Et il faut quand même que vous sachiez que lorsque je mets bout à bout euh, l'ensemble des propos que je viens de tenir, ayez quand même bien conscience que. Euh, Probablement de l'ordre de 15 à 20 des départements sont dès aujourd'hui dans une grande difficulté. Je le dis bien dès aujourd'hui. C'est-à-dire que les mesures de dépenses nouvelles qui ont été engagées les mettent dès la fin 2022 dans une situation financière assez délicate. Et pour certains d'entre eux, des rencontres et des échanges qui ont été les nôtres, qu'ils qu s'interrogent sur leur façon et leur capacité à équilibrer leur propre budget de l'année 2023. Donc, vous le voyez en perspective, des DMTO qui avaient atteint un niveau assez élevé et qui ont commencé la décrue, ce n'est pas du tout illogique, nous sommes bien dans des cycles économiques, il n'y a, a, a pas de sujet. Et dans le même temps, donc, euh, passer ce, ce pic conjoncturel, des dépenses structurelles nouvelles qui posent effectivement un certain nombre de difficultés. Donc. Euh, oui, à, à l'idée de réfléchir ensemble euh, sur euh, comment participer euh, à notre hauteur, euh, mais prenons bien en compte ces dépenses tout à fait particulières. Je, je le dis d'autant plus que je crois que vous avez pu historiquement regarder que, euh, en tout cas, la strate départementale avait déjà participé dans le passé à de nombreux efforts, nombreux efforts de gestion et nombreux efforts notamment en termes de désendettement, puisqu'à ma connaissance, c'est la strate qui s'est le plus désendettée sur la période qui vient de s'écouler. Alors nous avons une demande dont je sais euh, qu'elle a euh, beaucoup de difficultés à être entendue. Euh, C'est la demande euh, d'indexation des dotations. Alors pourquoi nous vous disons cela euh, Soyons clairs, euh, lorsque vous avez une inflation qui varie entre 0,5 et 1% par an, le sujet de l'indexation est un sujet sur le moyen long terme, puisque au bout de 10 ans, on est quand même à 12 de décalage de financement. Mais je dirais que année après année, les collectivités essayent de compenser effectivement cette perte en valeur réelle. Lorsque vous avez une inflation qui n'est plus à 0,5-1 mais qui va osciller probablement entre 5 et 10 très honnêtement, il y a un sujet. Très honnêtement, il y a un sujet. Et pour vous donner une idée, j'avais fait un calcul rapide de ce que serait la perte réelle si l'État ne compensait aucune des dotations. Nous arrivions rien que sur la DGF à un montant de 9 milliards sur à peu près la durée du mandat présidentiel. C'est pratiquement le montant qui avait été évoqué dans la campagne de la participation des territoires à l'effort fait pour redresser les finances publiques. Alors, il faut qu'on ait effectivement en tête ces chiffres, euh, vraiment ces chiffres, je, hein, puisque euh, je, je le dis et je répète hein, pour insister sur ce point, euh, une inflation à 1%, 1% c'est pas facile, notamment cumulée au bout de 10-15 ans. Une inflation supérieure à 5%, ça crée réellement un vrai sujet. Et donc, en tout état de cause, euh, si euh, effort il doit y avoir que si jamais il n'y a pas d'indexation, que cette non-indexation soit comptabilisée comme un effort réalisé par les territoires pour participer au redressement effectivement des finances publiques. Je crois que c'est une question d'honnêteté. J'insistais sur le mot de confiance, derrière lequel je mets souvent le mot honnêteté. Il faut qu'on soit dans l'honnêteté de raisonnement et de présentation des, des uns et des autres. Voilà pour l'instant peut-être en quelques mots, et j'ai probablement déjà été trop long, et je passe la parole à Jean-Luc qui va compléter naturellement mes propos. Merci Jean-Léonce, merci Monsieur le Président, cher Thomas, de, de votre invitation à cette audition. Merci Mesdames et Messieurs de, de prendre le temps de, de nous écouter. Euh, L'Assemblée des départements de France est une association pluraliste, mais vous allez pouvoir constater que nous sommes parfaitement convergents sur les propos que nous allons porter aujourd'hui devant vous et euh, tout à fait euh, conscients que les réalités qui nous impactent dépassent largement les questions euh, partisanes. D'abord peut-être vous dire, euh, et je pense que Jean-Léonce a commencé à le témoigner, que nous ne sommes pas des, des collectivités pleurnicheuses, mais que nous sommes des collectivités qui ont envie d'être battantes et constructives pour euh, contribuer largement au maillage républicain en matière territoriale et à l'action publique. Nous sommes des collectivités qui sont matures, d'abord parce qu'elles existent depuis longtemps et notamment pour ne prendre que quelques, un fait plus, plus, plus récent dans le temps depuis notre création, depuis la décentralisation de 82, nous sommes pleinement opérants en libre administration, et donc nous avons appris le sens des responsabilités dans nos collectivités. Donc J'insiste là-dessus parce que cela veut dire que les propos que nous tenons aujourd'hui sont des propos tenus en pleine responsabilité dans nos fonctions et au regard des, des, des hémicycles qui sont les nôtres, des assemblées qui sont les nôtres. Nous l'avons été particulièrement sur des périodes de crise, puisque c'est souvent là que nous sommes aussi appelés à la rescousse. Et je, je pense évidemment à, à la crise sanitaire du Covid-19, mais d'autres crises ont permis de démontrer aussi notre présence. Et aujourd'hui, euh, les inquiétudes sociales qui sont devant nous euh, vont appeler plus que jamais le département à, à accomplir leur mission de solidarité. Alors nous sommes prêts au dialogue, ça a été dit euh, à l'instant. La main étendue de la part du gouvernement, donc bien évidemment nous, nous souhaitons la saisir, mais nous souhaitons la saisir. Dans un, un rôle respecté de chacun des niveaux, qu'il s'agisse donc du niveau État ou du niveau collectivité, en respectant aussi notre libre administration en qualité de collectivité locale, libre administration qui sous-entend le plein exercice de nos compétences avec un pouvoir normatif qui doit euh, se, se mettre en œuvre et les financements adaptés. Ce que je viens de dire là, compétences, pouvoir normatif et financement, ce ne sont même pas mes propos en propre puisque ce sont ceux, ce ceux qu'a qu tenu le président de la République lors de sa visite en Mayenne. Donc on voit bien comment la décentralisation doit être conçue dans cet ensemble-là, compétences, pouvoir normatif, financement. Alors nous voulons être force de proposition, d'autant que nous sommes capables de démontrer notre capacité d'innovation, parfois d'expérimentation. Euh, J'évoquais la diversité politique au sein de l'ADF, mais il y a aussi une très grande hétérogénéité entre les départements. Entre des départements très peuplés, à forte croissance démographique, parfois avec une métropole, et puis des départements ruraux qui, eux, voient, enfin, ont des contraintes qui peuvent être différentes. Et entre un département comme la Gironde, vous le savez, Monsieur le Président, qui doit construire 12 à 14 collèges nouveaux, et des départements qui aujourd'hui s'interrogent sur la fermeture de collèges à 80 collégiens, eh bien évidemment, le, le, la, les problématiques ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, nous essayons de réfléchir globalement et d'apporter systématiquement notre contribution. À la maille de la République. Quelques mots sur les financements sans revenir sur ce qui a été dit Jean-Léon, qui est très expert sur le sujet au sein de, de l'ADF et qui, qui porte régulièrement notre voix sur le sujet. Quelques points, quand même, sur lesquels je, je souhaite attirer votre attention. D'abord, vous rappelez que nous sommes le seul niveau de collectivité locale qui a procédé à une péréquation horizontale. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la question de la répartition des recettes, et je dis bien des recettes, s'est posée entre nous, avec la volonté de rééquilibrer quelque part cette, cette entrée en, en recettes. Donc les départements qui perçoivent plus de recettes, notamment en DMTO, contribuent à les reverser pour partie à, aux départements qui, qui en perçoivent moins. Par contre, ne regarder le sujet financier budgétaire que sous l'angle des recettes, c'est de n'ouvrir qu'un œil et ne pas ouvrir les deux, Lorsqu'on ouvre l'œil des recettes, il faut aussi ouvrir celui des dépenses. Jean-Léon se l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il y a effet ciseaux en particulier, cela veut bien dire que les dépenses augmentent plus vite que les recettes. Mais cela veut dire aussi qu'il y a une vraie question sur le sujet de la péréquation verticale. Euh, nous avons vu au fil des années, et ça n'est pas propre à un gouvernement plus qu'à un autre, c'est un, un mouvement relativement structurel, nous avons vu progressivement se désengager l'État de la péréquation verticale au titre de la prise en charge, notamment des AIS. Et nous sommes aujourd'hui partis à peu près à 75%, à environ 50%. Ce différentiel-là, ce sont les départements qui l'assument. Sur la PCH, sur l'APA, sur le RSA. Au bout d'un moment, nous arrivons évidemment aux, aux, aux limites de l'exercice, d'autant que un certain nombre de prestations ont continué à augmenter au fil des années. Et donc, de fait, parfois l'APA dans certains départements vieillissants, parfois euh, le, le RSA dans d'autres départements avec une, une montée à certains moments du nombre d'allocataires. Bref, nous nous sommes trouvés devant cette difficulté. Or, la péréquation verticale, c'est un exercice de solidarité nationale. Et toutes les AIS relèvent de la solidarité nationale. Donc, à ce titre, ce que nous revendiquons aussi, c'est le fait que cette péréquation verticale soit bien mise en parallèle, en miroir, de la péréquation horizontale que nous avons collectivement décidé d'appliquer entre nous. Un mot également sur euh, le pourcentage de l'inflation. Aujourd'hui, ce qui est envisagé euh, au niveau de l'effort que peuvent réaliser les départements, à la contribution à la réduction de la dette publique et du déficit public, c'est une évolution de 4,3 pondérée de 0,5, c'est-à-dire de 3,8. Je ne reviendrai pas sur la démonstration qui a été faite par Jean Léonce, nous savons d'ores et déjà que ces 3,8 vont être très difficiles à atteindre, enfin ne pas dépasser. Euh, sachant que nos dépenses obligatoires, et notamment liées effectivement à un certain nombre de décisions prises au niveau central et qui s'imposent à nous en termes de paiement au niveau local, vont fortement nous impacter. Mais je voudrais quand même revenir sur le fait que le pourcentage initial d'inflation qui est retenu dans le cadre de ce calcul n'est pas forcément ce qui est aujourd'hui envisagé. Jean-Léon l'évoquait, entre 5 et 10 c'est largement au-dessus du pourcentage de base qui est pris comme, comme index pour ensuite pratiquer les moins 0,5. Donc là, nous avons aussi probablement un sujet à regarder. Sans doute faudrait-il, puisque l'État, et je vous en remercie, enfin j'en remercie en tout cas le gouvernement, a accepté de prendre en compte l'année 2023. Et de ne, ne réaliser l'examen de cette évolution de nos dépenses qu'à l'aune de compte administratif 2023, à mon avis, il serait souhaitable que nous prenions en compte la réalité de ce qu'a été l'inflation dans le courant de l'année 2023 pour ensuite procéder à le, la soustraction des 0,5. Un autre élément financier important à retenir Jean-Léon s'évoquait les dépenses non pilotables, les AIS. On peut parler donc des dépenses qui nous sont imposées quelque part par une décision centrale qui s'impose à nous. Mais quelles sont finalement nos marges de manœuvre dans l'affaire Alors on peut toujours regarder sur quelques marges de charges en gestion générale par exemple, sur quelques marges aussi en matière de ressources humaines, mais je peux vous garantir, et Thomas Cazenav qu'on dit bien le sujet, que dans un département qui gagne 20 000 habitants de plus par an, il y a plus de services à produire, plus d'équipements à produire, et donc forcément plus de charges de fonctionnement à produire. Mais euh, quelle est finalement la marge de manœuvre qui nous reste Eh bien, elle est de jouer sur notre capacité d'autofinancement. Et jouer sur notre capacité d'autofinancement signifie réduire nos investissements. Typiquement en Gironde, mais je peux vous garantir que pour en avoir discuté avec un certain nombre de collègues la semaine dernière, bon nombre de départements sont concernés, typiquement, lorsque nous baissons notre capacité d'autofinancement, nous limitons les investissements à venir. Nous sommes entrés en Gironde de freiner au niveau du PPI, voire même peut-être d'abandonner l'idée d'avoir certains projets d'ici la fin de la mandature. Ce qui veut dire que sur les 70% d'investissement public réalisé par les collectivités locales dans ce pays, 70% de l'investissement public réalisé par les collectivités locales, et eh bien si nous freinons, nous départements, sachez que les communes et les communautés de communes commencent à freiner aussi, et que demain, l'argent qui devrait être injecté dans l'économie et l'entreprise ne sera pas injecté. Donc il y a une conséquence extrêmement directe des choix que nous allons devoir opérer en termes d'investissement et qui auront un impact immédiat sur l'économie de, de, de nos départements et évidemment de l'ensemble du pays. Donc il faut que vous ayez cela en tête. Pour nous, c'est à peu près la seule marge de manœuvre qui nous reste aujourd'hui et cette marge de manœuvre euh, opérera, aura un impact sur euh, l'économie en général. Alors justement à ce propos, crise euh, sociale très probablement, enfin en tout cas nous sentons, euh, aujourd'hui nous voyons, je ne parle même pas de, de, de l'actualité du moment, mais... Très concrètement, factuellement, nous voyons frapper aux portes de nos maisons de la solidarité des typologies de personnes ou des typologies de familles qui ne venaient pas jusqu'à présent. Elles commencent à être en difficulté accrue. Ceux qui étaient très pauvres sont restés très pauvres et le sont encore plus. Ceux qui étaient en grande précarité tombent dans la pauvreté ceux qui arrivaient à peine à sortir la tête un peu hors de l'eau sont en train de tomber aussi dans la précarité et ceux qui travaillent avec des revenus relativement faibles sont en train de s'appauvrir progressivement également donc ce que nous voyons aujourd'hui apparaître c'est une nature de population qui désormais vient solliciter la solidarité nationale et donc départementale pour les aider ce que nous craignons nous c'est que l'arrivée des factures hivernales d'énergie va accentuer, va accentuer pardon, le, le, la situation dégradée pour toutes ces familles et pour toutes ces personnes. Et nous voyons arriver des femmes seules, par exemple, avec des enfants qui n'arrivaient déjà pas trop à s'en sortir précédemment et qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Nous voyons des professionnels comme les aides à domicile qui sont à temps partiel par exemple et qui gagnent relativement peu, eh bien arriver aussi en se demandant comment elles vont vivre les mois qui viennent. Donc cette réalité-là est une réalité qu'il faut avoir en tête. L'autre réalité, c'est celle des fractures territoriales. Rappelons-nous combien les gilets jaunes ont été l'expression de l'opposition souvent des secteurs ruraux par rapport aux secteurs urbains vus comme étant très riches ce qui n'est pas forcément non plus une, une, une réalité, une règle générale. Mais en revanche, il y a eu, à un certain moment, ce type de réaction. Attention à ces fractures territoriales qui, là aussi sont particulièrement douloureuses encore aujourd'hui sur un certain nombre de, sectes, de, 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 de régions et de, et de territoires chez nous, et qui peuvent déclencher demain encore un certain nombre de, de réactions. Nous sommes aussi, nous, en charge des solidarités territoriales. Nous pouvons également euh, procéder à la correction des déséquilibres, à la condition d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir y faire face. Et puis je terminerai sur quatre sujets que je souhaitais quand même évoquer avec vous, y compris sur la question des approches. D'abord, il n'est pas possible de concevoir que la transition démographique qui est devant nous pour les dix ans qui viennent ne soit pas prise en, en compte via une loi majeur cadre stratégique autour des questions du grand âge et de l'autonomie. Pour nous, c'est un sujet qui est déjà présent, c'est un sujet qui est euh, à venir de façon douloureuse et difficile, autant que le changement climatique. Et donc, à ce titre, nous devons absolument être prêts, et il vous revient évidemment au niveau du Parlement de pouvoir euh, mettre en œuvre ce type de loi. France travaille, un petit mot là-dessus, plutôt sur des questions de méthode pour en avoir discuté avec le, le ministre du SOPT et j'en ai discuté aussi avec quelques autres ministres la semaine dernière, euh, il serait souhaitable que dans ce type d'approche, nous puissions être en situation de proposition constructive encore une fois plutôt qu'en situation d'imposition. Alors nous avons bien compris qu'il y a une volonté de concertation et de dialogue, mais ce qui serait souhaitable, c'est que nous puissions émettre une contribution des départements de France pour dire notre vision de France Travail, puisque nous avons en charge, bien sûr, l'insertion, puisque nous intervenons après que Pôle Emploi souvent soit intervenu, et puis qu'il y a l'axe formation qui, évidemment, concerne les régions, mais il nous semble que le département de France peut être apporteur d'une contribution forte sur ce sujet-là. Sur le, la question des contractualisations, elles ont été évoquées tout à l'heure par Jean Léonce au travers du fait de les, de les soustraire des 3,8%. Moi, je voudrais insister aussi sur le fait que les contractualisations euh, peuvent être amenées à être refusées au fil des mois qui viennent par les départements. Parce que la difficulté financière à laquelle nous sommes confrontés nous amène à ne pas vouloir aller plus loin parfois via les contractualisations État, alors que quelquefois les objectifs, nous pouvons les partager. Que l'envie de faire, nous pouvons la partager aussi, mais que les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour euh, répondre à ces objectifs de contractualisation ne sont plus aujourd'hui disponibles et encore une fois porteront plutôt sur l'investissement. Donc attention aux contractualisations à venir. Je pense que si nous n'avons pas la capacité à bien garantir notre libre administration financière, nous n'aurons pas la possibilité d'y répondre. Et je terminerai euh, sur le point du, du Sdis, Monsieur le Président Kazanov, puisque vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure. Bien entendu, euh, la Gironde particulièrement euh, est attentive à ce qui va se passer dans les, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Nous avons produit un rapport feu de forêt avec mon collègue André Acari de Saône-et-Loire au titre de département de France. Il vient compléter la vision de la Fédération nationale ainsi que celle des sénateurs et d'une mission interministérielle en cours. À ce titre, nous sommes évidemment attentifs à ce qui sera proposé et surtout... Nous voulons vous alerter sur le fait que le dérèglement climatique aujourd'hui est en train d'augmenter la fréquence et l'intensité des incendies et de déplacer aussi la ligne géographique vers le nord du pays, ce qui veut dire que demain, si nous voulons être à la hauteur des besoins en matière de prévention, d'anticipation, mais aussi de lutte et de surveillance du feu à l'issue, il faudra que nous ayons les moyens encore une fois nécessaires. Et pour cela, nous pensons notamment que la valeur du sauvé est à mettre en avant et qu'elle vient limiter le risque assurantiel et qu'à ce titre, une part plus importante de la TSCA devrait être accordée au département. C'est une des propositions qui a été faite dans le cadre du rapport, mais je pourrais en détailler d'autres si vous le souhaitez. Voilà un petit peu pour vous donner la, la vision d'ensemble pour compléter euh, ce qu'a dit Jean Léonce parfaitement et notamment sur le volet financier. Merci beaucoup, messieurs, pour, euh, pour ces premiers euh, propos. Je ne peux pas m'empêcher de, de réagir à. Votre Remarque sur la tyrannie du court terme sur les finances publiques, on aurait bien aimé avoir une trajectoire pluriannuelle, mais tous les articles du projet de loi de programmation des finances publiques qui portaient une trajectoire ont tous été supprimés. Donc, c'est quand même une grande difficulté pour nous. Je vous dis donc, je partage l'enjeu que nous devons avoir toujours une vision pluriannuelle et en particulier dans notre relation avec les, les collectivités. Je ne reviens pas sur les différents points parce qu'il euh, y a un certain nombre de demandes de prise de parole et l'échange est déjà riche avec votre, euh, votre, euh, votre première euh, contribution. Peut-être quand même, pour initier euh, et échanger des, des sujets purement financiers, faire réagir euh, au propos de Gérard Larcher qui disait encore le 5 octobre dernier euh, son souhait de voir confier aux collectivités territoriales le pilotage plein entier de l'emploi et de la santé. Et je voulais savoir comment vous, vous positionnez sur le niveau d'ambition d'un nouvel acte de décentralisation euh, et comment vous voyez les départements dans ce, dans ce cadre-là. Et pour aller euh, tout de suite viser -vis mes collègues et ramasser un peu les questions, je propose que euh, David Valence, pour Renaissance, pose aussi sa question. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier les deux présidents de département qui se sont exprimés euh, du caractère très euh, comment dirais-je, modérés et dans la proposition de leurs propos. Ce n'est pas toujours le cas quand on reçoit, y compris ici, des associations d'élus, euh, comme on a pu le constater ces, ces dernières semaines. Euh, deux remarques et puis deux questions, très vite. Euh, les deux remarques, la première, c'est qu'une des choses que j'ai appréciées dans vos interventions, c'est que vous n'aviez pas utilisé le terme d'autonomie fiscale, euh, qu'on confond souvent avec le pouvoir de taux, alors qu'en fait, l'autonomie fiscale, c'est la part des ressources d'une collectivité qui ne dépend pas des dotations de l'État. Euh, et, et donc, euh, vous n'avez pas fait cette confusion, et je vous en remercie, parce qu'elle est très souvent faite par des associations d'élus. Deuxième élément, sur euh, la, une forme de péréquation horizontale, il y en a quand même euh, au-delà des départements, bien sûr le FPIC pour les intercommunalités et les communes, c'est de la péréquation horizontale des intercommunalités et des communes les plus pauvres vers les... Vers, enfin plutôt les plus riches vers les plus pauvres. Deux questions très précises. La première sur la loi 3DS et ses effets. Vous savez qu'elle a notamment prévu d'ouvrir un nouvel acte de décentralisation des routes nationales vers les départements. Il y en a eu beaucoup. Les départements avaient jusqu'au 30 septembre pour se prononcer. Est-ce que vous pouvez nous donner simplement une sorte de photographie du paysage des départements, de leur appétence dans un contexte qui est un peu singulier au regard de la dépense publique pour cette mobilisation et ces nouvel actes de décentralisation des routes. Et comment ça se passe avec les métropoles qui ont cette même possibilité d'obtenir un droit de cession et les régions qui, elles, peuvent avoir une délégation pendant huit ans de gestion Et puis, deuxième question sur le cumul des mandats. La loi de 2014 a encadré le cumul des mandats. Il y a un angle mort euh, en termes de, de fonction exécutive qui n'est pas prévu par euh, ce texte, c'est le cumul entre un président d'exécutif local et une, une présidence d'intercommunalité. Autant quand on est maire et président d'intercommunalité, ça se comprend, autant quand on est président de département ou de région et président d'intercommunalité, ce n'est pas la majorité des cas, c'est moins qu'on puisse dire, mais il y en a euh, dans des grandes collectivités et dans des petites. Euh, ça paraît quand même relativement contre-intuitif vis-à-vis euh, -vis du rôle qui est celui du... D'un président de département ou d'un président de, de, de région. Euh, quelle est votre position sur ce cumul qui est toujours possible euh, parce que la présidence d'une intercommunalité est considérée juridiquement comme une fonction et pas comme un mandat euh, Et euh, que penseriez-vous d'une impossibilité de cumuler à l'avenir ces deux euh, mandats On vous laisse répondre. Alors, on va, on va probablement faire également une réponse encore à deux voix et, et peut-être ici ou là avoir quelques, quelques subtilités de différenciation. Mais alors, simplement, Monsieur le Président, je rebondis sur votre propos, sur votre demande de vision pluriannuelle, donc que vous avez bien compris que je partage. Alors, j'ai bien compris que tel ne pouvait être le cas. Mais par contre, dans les relations qui sont les nôtres, et je le dis notamment par rapport à Bercy, qu'on ne mette pas en évidence une image qui correspond à un instant T et qui laisse supposer que pour les exercices à venir, on va avoir des prolongations. C'est simplement un point qui me paraît important. Euh, sur les propos de, de, de Gérard Larcher sur, sur l'emploi et la santé, qui, je dirais, concerneraient à la fois le, les régions et les départements, euh, je ne sais pas si... Euh, Jean-Luc partagera mes propos. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, en réalité, notre vrai questionnement par rapport à des compétences nouvelles, vous l'avez bien compris, ce n'est pas de les exercer. Quand on nous les confie, nous essayons de le faire. Je le pense objectivement le plus convenablement possible. La vraie interrogation, c'est la, la capacité de mener ces politiques. C'est d'avoir un moyen de les mener. Donc, la vraie interrogation, en réalité, c'est effectivement euh, sur les, les transferts réels. Et la possibilité d'exercer la compétence. Et ça me fait le lien immédiat avec la problématique des routes. Là encore, pour reprendre les mots de Jean-Luc tout à l'heure, je pense qu'il y a un problème de réflexion et de méthode. Les routes en France, vous le savez bien, sont soit de nature communale ou intercommunale sur le bloc territorial, soit départemental, soit national. Vous savez que nous avons une interrogation permanente de nos concitoyens pour savoir de quelles compétences dispose telle strate de, de, de collectivité. Et il m'eût semblé, semblé assez logique, l'État central voulant, on va se dire les choses honnêtement, se délester d'un certain nombre de routes dont on peut penser qu'elles n'étaient pas au maximum de l'entretien. Et donc, ce faisant... Ah mais je, je ne le conteste pas du tout, mais on peut faire, monsieur le député, une analyse assez objective, je, je, je peux même vous emmener faire les kilomètres avec vous si vous le voulez bien, et vous verrez qu'il y a effectivement un certain nombre de situations qu'on qu constatera de facto. Que donc l'État le, le, central, à un moment donné, décide effectivement de, de se délester de ses routes, ne me choque absolument pas. Il me semble que la logique eût voulu au regard des compétences des uns et des autres, qu'on dise naturellement si délestage il y a, si transfert il y a, ça doit être le niveau départemental qui a la compétence, qui a l'ingénierie pour effectivement euh, prendre en charge, quitte à ce que l'État naturellement mette bien en évidence les moyens qu'il souhaitait transférer, quitte à ce que les départements puissent négocier avec les régions pour pouvoir effectivement participer à des efforts de remise à niveau, c'eût été, me semble-t-il, la, 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 la bonne vision. Alors à quoi on a assisté non, on a assisté à, écoutez, si vous le voulez, vous pourrez peut-être les prendre. Une autre strate pourra le prendre. Est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, vous avez des régions qui vont pouvoir récupérer 150 à 1000 km, qu'elles vont se trouver dans la difficulté, au-delà financière, technique, humaine, de pouvoir mettre en place l'ensemble de ces compétences, qu'elles vont probablement essayer de déléguer ou de subdéléguer effectivement ce transfert de charge parce qu'en réalité, elles ne sont pas structurées pour le faire. Et qui plus est, ayez quand même conscience aussi que nous sommes, vous le savez bien, dans beaucoup de domaines, dans une rareté de la ressource humaine. Je, je le dis vraiment, c'est dans des tas de domaines pour les collectivités, et notamment dans l'ingénierie technique. Et donc se dire que nous allons rentrer en concurrence entre collectivités pour éventuellement récupérer des capacités humaines, pour gérer des portions très limitées de routes, très honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence. Et je trouve sincèrement qu'il n'y a pas d'amélioration de la lisibilité du citoyen par rapport à l'ensemble de ses compétences. Euh, tu veux sur le... Cu Cumuler mandat mandats oh Oui. Ça euh, t'arrange Non, j'aurais bien aimé aussi. Mais vas-y. Non, non, mais je t'en prie, vas-y. On a prévu qu'il y ait euh, ce dialogue et les départements ont un droit d'option préférentiel par rapport aux régions. Je crois que c'est important de le, de le rappeler ici. Euh, donc moi, ma question est portée aussi sur la manière dont se passait ce transfert et dont le dialogue se faisait, pas sur l'analyse en amont de la loi. Mais, et, et moi l'impression que j'ai c'est en tout cas dans ma région ça se passe bien euh, dans le dialogue. Alors je, je complète par un, un propos que je n'ai pas tenu. Euh, le problème aussi c'est, je rebondis sur le mot de confiance, la façon dont effectivement on se met d'accord sur... Et donc naturellement la très grande majorité des départements au départ étaient plutôt propices à récupérer l'ensemble de ces routes. Et nous avons simplement essayé de connaître les montants qui seraient transférés de l'État central au niveau des collectivités départementales. Nous n'avons pas eu les réponses. Nous n'avons pas eu les réponses. Et en insistant, parce que vous imaginez, vous devez donner une réponse à l'instant T. À l'instant T, si vous donnez la réponse, on vous dira après le montant exact de compensation que vous recevrez. Ça, je vous le dis vraiment très franchement, mais sans aucune agressivité, ce n'est pas la bonne manière de travailler. Ce n'est pas la bonne manière de travailler. Alors ensuite... Du coup, on nous a dit, bah, écoutez, voilà, on va faire un calcul absolument national, on va déterminer une moyenne nationale et vous aurez votre pourcentage de moyenne nationale. Là encore, si vous voulez, est-ce qu'on peut mettre ensemble un peu d'intelligence Naturellement, vous avez des situations très différenciées. Vous avez des routes qui ne sont pas en si mauvais état que cela, d'autres qui sont en très mauvais état. D'autres qui ont des ouvrages d'art techniques qui sont beaucoup plus importants. Et donc, l'idée de moyenne nationale n'est pas du tout opérante. À la limite même, vous pouvez avoir quelques départements qui auraient un petit effet financier positif et d'autres qui se retrouvent face à des sommes de dépenses qu'elles ne peuvent absolument pas envisager. J'ai un département en tête pour lequel la remise à niveau, si vous voulez, de, de 150 km de route et de l'ordre de 400 millions d'euros, c'est-à-dire en réalité 20 ans de l'investissement qu'elle consacre aujourd'hui dans le cadre de son budget. C'est-à-dire c'est hors de proportion. Donc vous le voyez bien. on Non, on, on prend pas. Mais alors, on prend pas. La région prend pas et, et l'État garde. Bon. On n'est pas, pas dans une cohérence. Il eût été plutôt simple de dire on fait une étude fine du montant du coût réel de remise à niveau, on discute ensemble, et effectivement, on va sur la strate qui est la plus opérante et la plus efficace pour pouvoir gérer. jean -Luc. Oui, peut-être pour, pour compléter sur les routes. Bon, d'abord, toutes les routes départementales ne sont peut-être pas en bon état, mais par contre, les départements n'ont pas demandé à les transferts à l'État. Donc ce n'est pas tout à fait le même, la même logique. Euh, et puis pour aller dans, dans le sens de ce que dit Jean Léonce, euh, un département montagnard qui peut avoir un fort kilométrage de route particulièrement difficile à entretenir n'a rien à voir avec un département comme eux, y compris la Gironde, où des routes sont relativement plates. Euh, donc c'est vrai que cette, cet élément national euh, d'appréciation n'est forcément euh, pas euh, reproductible de, de façon euh, équitable sur l'ensemble des départements. Et pour le coup, la différenciation, là, aurait mérité de, de s'appliquer. C'est un peu le même sujet, au bout, du, au bout du compte, parce que vous posez la question de savoir comment ça s'est passé. Euh, ce que l'on voit, c'est que les, départ Alors, les départements qui ont refusé purement et simplement... D'autres qui ont accepté, mais qui ne prennent qu'une partie des voies et parfois un kilométrage qui est de 10% à peu près du kilométrage global, en considérant que, bon, voilà, il y a une petite partie qui peut être intéressante, mais le reste ne nous intéresse pas. On est presque sur la même conformation que ce qu'on a eu avec le 80 km/h qui est quand même, vous m'excuserez, mais vous passez d'un département à l'autre d'une vitesse différente alors que Waze n'a pas forcément renseigné en plus de façon fiable, enfin, on est quand même dans quelque chose qui, qui est assez, assez inconséquent, me semble-t-il, en termes de, de possibilités de décision. Alors j'entends bien qu'on a laissé la libre, le libre choix aux collectivités, mais à un certain moment, le, la question de la cohérence d'ensemble se pose. Et c'est aussi valable pour les routes. Si je vous prends la, la Gironde, il nous est proposé de récupérer la rocade. Bordelaise, 40 et quelques kilomètres de rocade sur lequel passent des camions de, de, de niveau international, etc. Enfin, alors la métropole pourrait la prendre pour, pour le coup, euh, mais en revanche, personne n'a voulu prendre ce, ces parties de voies-là, parce qu'il faut en plus les passer euh, tout à deux fois, trois voies, etc. Enfin, les investissements sont conséquents. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis la compensation n'est pas une compensation évolutive dans le temps. Donc nous connaissons la réalité des coûts nécessaires à la, à la remise en état de ces routes à l'instant T, mais c'est toujours le problème des compensations. Qu'en sera-t-il dans dix ans, dans 15 ans Et On peut imaginer effectivement que les coûts vont être plus importants. Sur la péréquation verticale, un mot, par rapport euh, horizontale, pardon, un mot. Par rapport à ce que vous avez dit, certes, il existe d'autres formes de péréquation. Par contre, là, c'est une décision prise par les départements eux-mêmes, suite à un débat mené en Assemblée des départements de France. Ça n'est donc pas quelque chose qui leur est imposé par la loi, c'est quelque chose qu'ils ont voulu et qu'ils ont accepté à ce titre-là de façon tout à fait volontaire. Sur la décentralisation, pour la question de, du président Cazenave, alors. Je vais faire un petit peu le même type de réponse que, que ce qu'a fait Jean-Léon sur les routes. C'est-à-dire, ce qui nous importe à nous aujourd'hui, c'est de bien assumer les compétences qui nous ont été confiées. Aller prendre d'autres compétences sous-entend forcément la question des moyens en face. Et à ce titre-là, alors moi, je, 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 je ne suis pas pour. On n'a pas forcément eu d'ailleurs toujours les mêmes avis à l'Assemblée des départements de France. Mais lorsque la question de l'abandon de la compétence économique via la loi NOTRe a été opérée, euh, certains départements ont dit nous souhaiterions maintenir euh, les aides aux entreprises parce que nous pensons que nous sommes utiles à. Je le pense aussi parce qu'objectivement, les aides que nous avions auprès des entreprises précédemment n'ont pas forcément été reprises par la région ensuite. Euh, en revanche, je pense que nous avons suffisamment à faire à, à, à assumer les compétences légales et régaliennes, entre guillemets, qui sont les nôtres, euh, plutôt que d'aller chercher à avoir des compétences supplémentaires. Donc pour l'instant, s'il doit y avoir une grande loi, une nouvelle loi de décentralisation, il faudra bien évidemment que nous traitions la question des moyens en face pour garantir que nous puissions être opérants, parce que le sujet de la décentralisation, il est simple. Quel est le bon niveau d'action publique pour l'efficience de l'action publique c'est ça la question. Donc à certains moments, le niveau est un niveau état, régalien, tout à fait normal et, et, et qu'il faut respecter à ce titre. Parfois, les régions peuvent avoir une, une logique, y compris en termes de planification, etc., pour avoir un certain nombre de compétences. Les départements me semblent un échelon plutôt intéressant en intermédiaire, parce que les communautés de communes ou les communautés d'agglomération n'ont pas aujourd'hui une puissance suffisante pour pouvoir prendre la place d'eux. Le département peut opérer en facilitateur et en coordinateur, et a fortiori, donc, ensuite, le niveau communal, qui est le niveau d'extrême proximité. À ce propos, sur le... La question du cumul des mandats. Moi, j'ai envie de vous dire que ce qui me paraît contre-intuitif, c'est le non-cumul. Et je vais vous dire pourquoi. Euh, je ne suis pas président de CDC, euh, forcément plus maire, puisque de, de facto, la loi m'a obligé à, à faire un choix entre président et, et maire. Euh, mais lorsque je suis membre de mon conseil municipal ou de ma CDC, je suis au plus près du terrain. Et du vécu quotidien de ces élus locaux. Et je peux vous garantir que, je, je, je vais essayer de dire de euh, façon politiquement correcte, euh, les députés que vous êtes ici, qui ne peuvent plus à certains moments cumuler le mandat avec celui, par exemple, d'un maire, a fortiori s'ils ne sont même pas membres d'un conseil municipal, me semble, c'est un avis personnel, être de nature être déconnecté du territoire, en tout cas pas en capacité de le comprendre de l'intérieur. Je sais bien que le président Kazanov ne sera pas d'accord, mais pour autant. Mais oui, c'est pour ça, vous êtes conseiller municipal et je pense que c'est important pour vous, parce que vous êtes conseiller municipal dont vous siégez dans une assemblée, dont vous entendez les problématiques au quotidien. Moi je vous garantis que certains députés que je connais qui ne sont élus nulle part ont plus de difficultés à capter la réalité de ce que vivent les collectivités locales au quotidien. J'en suis, c'est un avis personnel, une conviction personnelle, qu'on n'est pas obligé de, de partager, mais en tout cas, voilà, je voulais l'exprimer à ce stade puisque la question a été posée. Le débat est lancé. Il y a plein de manières d'être connecté à son territoire et pas uniquement dans un conseil municipal. Je laisse la parole à Monsieur Jocelyn Decinny. Et Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, la première dépense des départements est de loin, du moins dans mon département de l'AISNE, le versement du RSA. J'en Je euh, profite pour saluer le travail de la cellule de la clause d'insertion euh, sur le travail et les avancées structurelles qui ont été mises en place dans l'AISNE. Cependant, ce n'est pas le cas dans tous les départements. Le poids de l'insertion reste pour les entreprises une charge supplémentaire. Qu'elles ont tendance à répercuter factuellement sur le coût des travaux pour les collectivités qui en sont maîtres d'ouvrage. Euh, et donc, on arrive à une contre-production sur, sur, ce, sur ce phénomène. Monsieur le vice-président Vice Dupont, quelles sont les perspectives d'évolution sur la thématique d'insertion afin que les entreprises et de facto pour les collectivités territoriales Projet de réadaptation à la vie professionnelle pour les personnels qui sont très éloignés de l'emploi ou de formation, afin qu'elle ne soit plus une charge pour les entreprises. Et j'ai une deuxième question concernant l'accueil des dix mineurs non accompagnés, et leur suivi sur le territoire. Comment pouvez-vous assurer que ces populations sont surveillées et que la sécurité de nos concitoyens est garantie, étant donné que c'est vous qui en avez la charge sur le territoire Alors, sur les mineurs non accompagnés, j'aime beaucoup la manière dont vous posez la question. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, ce qui va permettre peut-être de préciser un, un certain nombre de choses. Vous évoquez les MNA. Euh, un mineur non accompagné, c'est quelqu'un qui a été évalué en minorité et qui est confié à l'aide sociale à l'enfance. D'accord À partir du moment où il est confié à l'aide sociale à l'enfance, il devient un mineur qui est pris en charge par les départements au titre de l'aide sociale à l'enfance. J'ai dans mon département une cellule qui s'appelle MNA et qui dépend de, de l'hôtel de, de, de police et qui en réalité euh, porte un nom avec un acronyme qui, qui n'est pas le bon. Et je l'ai dit à plusieurs reprises à la préfète de région. En réalité, cette cellule, elle concerne des euh, délinquants étrangers. Et je dis bien délinquants étrangers. C'est-à-dire des personnes qui sont dans la rue, qui procèdent à des faits de délinquance qui ne sont pas forcément mineurs, d'ailleurs pour la plupart d'entre eux ils ne le sont pas, et qui ne sont surtout pas MNA parce que s'ils étaient MNA, ils seraient confiés au département. Donc je ne sais pas ce que veut dire votre question très précisément, mais soit vous sous-entendez que les départements ne prennent pas en charge correctement les MNA au titre de l'ASE, soit vous parlez de délinquants étrangers qui sont dans la rue et qui produisent des faits de délinquance, mais auquel cas ce ne sont pas des MNA. Ah non, ce ne sont pas des MNA. Vous ne, monsieur, c'est quand même qualifié le statut de MNA. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'évaluation conclut à la minorité et le juge confie le mineur à l'ASE. Je suis d'accord avec vous sur certains points, mais dans les faits, on ne peut... Retirer le. Enfin, on peut ignorer qu'un grand nombre de, de ces mineurs, enfin de ces 10 mineurs non accompagnés, parce que tous ne sont pas, on n'est pas sûr qu'ils soient tous réellement mineurs. Il y a des majeurs qui se cachent sous cette étiquette MNA et pourtant qu'ils qui ne sont pas mineurs. Et il y a un grand nombre d'actes de, 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 délin, de délinquance qui sont commis par eux. Donc, à quel niveau vous les placez en tant que délinquant, en tant que mineur non accompagné je ne sais pas, mais euh, concernant les, les actes de délinquance qui sont euh, réalisés par ces personnes-là, comment vous euh, voilà Quelles sont euh, les manières de prise en charge euh, pour assurer Parce que au final, l'intérêt oui, c'est simplement d'assurer la sécurité de nos concitoyens, dans les, notamment dans les campagnes. Petit rappel euh, au règlement euh, qui n'existe pas entre nous, mais néanmoins, on va éviter le, le ping-pong comme ça, sinon on n'arrivera pas à donner la, la parole à tout le monde. Donc peut-être, euh, Monsieur le Président, terminer la réponse et qu'on qu puisse continuer le, le tour de table. Bon, outre, outre le fait qu'il euh, y en a beaucoup qui sont, alors ça, moi, j'attends de, de voir des chiffres là-dessus. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'un euh, mineur non accompagné confié à l'aide sociale à l'enfance, à ce titre, il est pris en charge dans une maison d'enfants à caractère social ou dans une famille d'accueil. Vous confondez là d'autres sujets, qui sont des sujets qui relèvent, semble-t-il, de la sécurité au regard de la question que vous posez et qui relèvent à ce moment-là de compétences de l'État. Donc ça n'est pas, moi je ne vais pas vous répondre sur les questions de sécurité publique. Ça ne relève pas de, des départements. Moi ce que je vous dis simplement c'est que tout mineur en accompagné, évalué comme tel. Est confiée à l'aide sociale à l'enfance et prise en charge soit dans une maison d'enfants à caractère social, soit dans une famille d'accueil, et à ce titre suivie, soit par les personnels du département, soit par des personnels d'associations de, qui sont agréés pour cela. Voilà. Merci. Madame Couturier. Oui. Madame Couturier, donc euh, députée de la Creuse. Euh, nous ne cumulons pas de mandat euh, dans mon groupe euh, de la France Insoumise. Mais néanmoins, sachez que moi-même, j'ai été une élue et que nous sommes au contact, bien évidemment, des élus locaux et aussi des élus du Conseil départemental. Et donc, nous avons forcément une connaissance de la réalité. Merci pour votre présence aujourd'hui à cette audition, mais vous comprendrez que dans un moment un peu particulier que nous vivons sur... Les débats budgétaires et l'incertitude de pouvoir poursuivre justement nos débats et notamment sur la question des collectivités territoriales. Euh, D'ailleurs, collectivités territoriales qui ont déjà fait l'objet avec le projet de loi de programmation finance publique qui euh, a été euh, rejeté dans de nombreux euh, articles. Euh, vous avez. Euh, euh, fait état euh, de la difficulté aujourd'hui de faire face à l'augmentation des dépenses, et en particulier, je pense, euh, au fluide, à tous les produits euh, en matière de restauration. Et vous avez également cité une augmentation très forte par rapport à la question de l'enfance et des difficultés de l'enfance. Vous avez cité les besoins en matière de grand âge et un département comme la Creuse. Vous comprendrez que cette question est quand même au cœur des dépenses, justement, du département. Vous avez abordé aussi la question des enjeux par rapport à la situation climatique et à la nécessité, bien évidemment, des investissements pour y faire face. Malheureusement, vous avez précisé que la DGF, sur les cinq ans précédents, 9 milliards de pertes, c'est bien le chiffre que vous avez donné. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, 15 à 20% des départements sont en grande difficulté, c'est le chiffre que vous nous avez donné. Euh, avez-vous euh, évalué, au regard justement des besoins qui existent dans les départements sur les différents secteurs dont vous avez la compétence, euh, avez-vous évalué. Euh, le montant nécessaire en matière de dotation pour les départements pour pouvoir faire face justement à ces besoins. Et je ne parle pas de la question de l'éventualité de plus de décentralisation des départements. Et vous l'avez dit, cette décentralisation ne peut pas intervenir s'il n'y a pas les moyens financiers pour pouvoir les assumer. Merci. Merci. Marie-Agnès poussé bac oui, bonjour messieurs. Euh, moi, ma question, c'est pour montrer qu'éventuellement, même quand on, est, quand on est parlementaire, on n'est pas totalement déconnecté. Euh, mais qu'on rencontre ailleurs qu'au conseil municipal, même si je suis restée conseillère municipale également. Euh, J'ai souvent des contacts avec euh, des directeurs d'EHPAD, euh, qu'ils soient publics ou privés, euh, ou euh, avec euh, des directeurs de, de foyers d'accueil de, de, de jeunes mineurs. Et, et ils me font part de leurs difficultés euh, de, de, de boucler les budgets. Euh, et souvent, ce qui revient, c'est le prix de journée euh, fixé par le département. Euh, et donc, je, je voulais voir avec vous euh, comment est-ce qu'on pouvait. Est-ce qu'il y avait un moyen de, de travailler sur ces sujets-là, qui sont en effet bien différents, puisque les prix de journée sont différents d'un département à l'autre, au regard des, des difficultés que vous pouvez avoir euh, sachant que dans certains domaines vous n'êtes pas les seuls à déterminer le prix de journée, mais parfois oui. Donc comment est-ce qu'on peut je sais pas travailler là-dessus parce qu'on est souvent confronté à ce sujet et du coup on donne le sentiment que tout le monde se renvoie un peu la balle euh, et, et, et derrière eh bien ce sont les usagers et les familles quand elles payent, notamment pour les EHPAD qui ne comprennent pas, euh, comment on peut pas euh, avoir quelques ETP supplémentaires, etc. Donc, comment faire Si vous avez une solution, nous sommes très preneurs. Merci et Didier Legac pour terminer cette série. Mais écoutez, ce sera rapide. Merci, Monsieur le Président, parce que je comptais poser la question sur la décentralisation, mais vous y avez euh, pas mal euh, répondu euh, déjà, parce qu'effectivement, j'ai lu avec attention donc le, le programme de travail commun, non pas le programme commun de travail euh, entre. Euh, entre l'État et le, le département. J'ai moi-même été maire et, et conseiller départemental, hein. conseiller général même. voyez, donc ça remonte à un petit moment. Euh... Mais, mais, mais le, le, le document, effectivement, je le trouve assez timide et je voulais vous le dire, mais vous avez répondu encore une fois, assez, assez timoré. Moi, je suis élu de la Bretagne, du Finistère, donc la décentralisation, c'est un sujet euh, que l'on porte euh, depuis longtemps et, et pour lequel, je dis d'ailleurs à titre personnel, je trouve qu'on qu n'a qu qu pas euh, travaillé assez durant le précédent quinquennat. Donc je me réjouis des paroles du président de la République très récemment où il dit que la décentralisation devrait connaître un, 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 un nouveau pas. Vous. Bon, vous parlez juste du bilan de la loi nôtre, effectivement. Euh, vous parlez de répartition des compétences, euh, converger les réflexions vers une meilleure expression des libertés locales. Je Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de précautions qui sont, qui, qui, qui sont prises. Euh, euh, donc voilà. Vous parlez du chef de fila, sans remettre en cause les, 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 les compétences des uns et des autres. Donc voilà. Mais vous avez répondu, si vous voulez redire un mot. Mais alors. Question subsidiaire qui est un peu liée à cela, euh, le, le, le mot de conseiller territorial n'apparaît plus dans le, dans le, dans le, dans le document. C'est-à-dire -ce que la promesse ou l'engagement le, du président de la République, vous avez réussi à le convaincre de, 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 de ne plus en parler <laughs> Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien. Euh, je ne sais pas si je vais faire dans l'ordre, mais en tout cas sur la, la, la dernière question, euh, oui, vous avez raison. Euh, nous sommes effectivement prudents. Nous pensons peut-être d'une manière assez générale que une des caractéristiques quand même de notre pays, c'est quand on regarde bien toutes ces années écoulées, une certaine instabilité institutionnelle pour les collectivités financières et fiscales. Et qu'il y a peut-être lieu à certains moments quand même de, de prendre un peu de temps pour effectivement assimiler, se positionner et construire des trajectoires sur des bases un petit peu, un petit peu solides. Vous savez, si je prends dans l'exemple de mon département, euh, je remonte à une très vieille décentralisation puisqu'elle remonte à Gaston Defer, la, dé la décentralisation des collèges. En réalité, sachez que par rapport à la compensation que nous avons obtenue et qui est reconduite année après année, je suis dans un rapport de 1 à 10 entre la compensation qui m'est transférée et la réalité de la dépense. Dans un rapport de 1 à 10. Nous dépensons 10 fois plus que ce que nous recevons. Et donc, vous imaginez bien... Tout élu responsable a envie d'être le plus efficace possible et s'il le peut et les assumer convenablement, avoir des compétences nouvelles. Mais avoir des compétences dont on sait qu'on n'aura pas la capacité financière et j'insiste aujourd'hui humaine, parce que j'insiste vraiment sur ce point, sachez que c'est un vrai sujet qui est devant nous. Deuxième chose que je voudrais dire, et je vous le dis avec un petit peu de tristesse en tant qu'ancien parlementaire sénateur cumulard pendant 19 ans, euh, L'une des, des questions vraiment que je me suis souvent posée, c'est pourquoi sommes nous si faibles sur les études d'impact pour éclairer en connaissance de cause les votes des parlementaires, et on a même vu valider par le Conseil constitutionnel les études d'impact qui étaient tous des études d'impact. Et pourquoi avons nous cette difficulté, une fois un texte voté, de ne pas faire un état d'analyse objectif pour montrer qu'on peut peut être aller plus loin? il faut stabiliser ou qu'éventuellement la décision qui a été prise n'a pas été la décision pertinente, pour reprendre les mots de Jean-Luc tout à l'heure, pour faire que le principe de subsidiarité soit appliqué dans la recherche de la meilleure efficacité possible. Pourquoi je vous dis ça Je l'illustre de mon point de vue. Je pense que le transfert des transports scolaires au niveau régional n'a pas été objectivement une bonne décision collective. Nous étions dans un système que je qualifierais plutôt d'un système de dentelle avec l'interaction de l'ensemble des acteurs locaux. Nous sommes aujourd'hui, a fortiori sur des très grandes régions, sur des systèmes qui deviennent très centralisés. Et très honnêtement, vraiment, je vous le dis, je pense qu'on n'est pas en adéquation maximale de, de la dépense publique. Donc, si vous pouviez, en tant que parlementaire, demander à ce qu'il y ait des vraies études d'impact. Avant certains nombres de lois, je, vous seriez en, en très net progrès par rapport à la période que j'ai euh, personnellement connue pendant de nombreuses années. Je ne reviens pas sur euh, la, le, le problème du cumul de mandats, juste un tout petit mot qui est plus une invitation à la réflexion. Euh, moi, dans l'absolu, si vous voulez, je ne suis pas contre le, le, le cumul des mandats et pas pour. Je pense que la vraie interrogation que nous devons avoir, c'est en fonction de l'organisation de nos strates et de répartition des pouvoirs. Y a-t-il lieu, par souci d'efficacité, d'avoir un peu ou pas du tout Dans un régime fédéral, si je prends l'Allemagne, il n'y a pas utilité à l'acteur local, territorial, d'aller à Berlin pour mener un certain nombre de ses politiques. Ça se fera à l'intérieur du Länder. Donc, naturellement, il n'y a pas de cumul et ça me paraît une évidence. L'interrogation que je voudrais simplement que nous nous posions ensemble, mais sans, sans aucune agressivité, c'est ne sommes-nous pas encore dans un État extraordinairement centralisé et où il y a là, du coup, un certain nombre de difficultés voilà, C'est juste une piste de réflexion si certains d'entre vous veulent la saisir. Sur, je reviens à la question sur le RSA et au poids sur le secteur économique. Donc je pense que vous faites référence notamment aux clauses d'insertion que nous mettons dans un certain nombre de marchés. Parce que pour l'ensemble de ces dépenses, vous imaginez bien que la grosse partie de ces dépenses sont assumées en fait par la collectivité territoriale au travers de chantiers d'insertion. Alors, il ne me semble pas inutile pour passer de cette population, puisqu'en général, on a trois publics. On a des publics très éloignés de l'emploi, moyennement ou proches de l'emploi. Il me semble que pour les publics qui sont effectivement proches de l'emploi, avoir une réalité de, 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 de travail... Alors après, on peut réfléchir sur le pourcentage acceptable et adéquat, mais c'est quelque chose qui me semble intéressant. J'en profite quand même pour vous poser un sujet de réflexion personnelle, je ne suis pas sûr que Jean-Luc sera forcément d'accord avec moi, mais qui est ce qu'on appelle le dispositif territoire zéro chômeur. Nous avons, ici ou là, essayé à quelques-uns de rentrer dans les dispositifs quand nous y étions invités, et ça a été notamment le cas du département du Calvados. Et pourquoi nous l'avions fait C'est parce que dans les personnes concernées, nous avions un certain nombre de personnes qui, en fait, relevaient du RSA, étaient bénéficiaires du RSA. Et il nous paraissait logique de participer à hauteur de ce que nous aurions de toute façon payé si nous avions effectivement gardé dans les dispositifs traditionnels ces bénéficiaires du RSA. Sauf que le contexte a changé et aujourd'hui, il y a un appel à cette politique, sauf que pour ceux qui sont déjà... Dans le dispositif de territoire zéro chômeur, ils ne peuvent pas en sortir. Mais surtout, on change la structure, on nous impose un financement, on n'a plus aucune lecture de euh, l'ensemble des orientations qui sont faites. Les publics concernés sont marginalement les bénéficiaires du RSA, mais plus sur une politique de l'emploi. Et donc, en fait, pour vous donner là encore une illustration très claire, je dépensais, je finançais 100 000 euros et on va me demander de passer à 300 000 euros cette année et à 500 000 euros dans deux ans, alors que je n'ai plus aucun mot à dire. Je pense que là encore, le process euh, n'est pas, pas acceptable, et je le dis d'autant plus que ces, ces, ces organisations mises en place ne sont pas dans le champ concurrentiel, et que les personnes qui rentrent dans le système peuvent en réalité y rester à vie. Ça veut donc dire que contrairement à ce que nous mettons en place dans les politiques d'insertion pour faire sortir les bénéficiaires et rentrer dans le secteur de l'activité économique, nous pouvons nous retrouver à financer éternellement des personnes dans ce dispositif. Là encore, si vous voulez, pourquoi je vous dis ça Simplement pour vous dire que, vous l'avez bien compris, une nécessité de dialogue, une nécessité de projection de l'ensemble des effets et des impacts me semble quand même utile en amont. Et non pas, c'est toujours désagréable pour les uns et les autres une fois que c'est mis en place les récriminations ou les demandes qui sont faites et qui ne sont pas, je le disais, tout à fait, tout à fait agréables. Alors sur la réalité des dépenses à venir, très honnêtement, je ne sais pas si vous pouvez trouver quelqu'un qui vous dira exactement le montant parce que il y a un certain nombre de chiffres qui nous échappent. Si je prends simplement la dimension énergétique euh, je crois que même nous-mêmes, en termes de pilotage, y compris de court terme, nous avons quelques difficultés, puisque nous sommes quelquefois sur des contrats qui nous mènent à certaines échéances, d'autres qui sont plutôt renouvelables, ou d'autres plus, plus renouvelables de façon éloignée. Et vous imaginez bien que le contexte énergétique actuel fait que nous avons des multiplications, euh, mais c'est vrai des particuliers, c'est vrai des entreprises, et c'est vrai évidemment des, des, des collectivités. Donc vous dire exactement... Euh, quelle sera euh, la courbe de croissance du coût des fluides pour les mois et les années qui viennent. Honnêtement, c'est difficile. Vous avez cité l'enfance. Vous savez bien que les décisions des juges, euh, nous ne sommes pas les preneurs de ces décisions. Donc, euh, naturellement, nous avons à intégrer euh, l'ensemble des, des enfants qui y sont concernés. Nous avons constaté en réalité depuis la période Covid une augmentation, mais je suis là encore incapable de vous dire en projection, est-ce que nous allons vers une tendance asymptotique, est-ce que nous avons une croissance exponentielle Très honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas capacité à vous le dire. Je peux simplement vous dire, je sais que ça risque d'augmenter. Et puis, je rebondis à nouveau sur les propos de Jean-Luc, oui c'est vrai, l'un des très gros sujets qui est devant nous, c'est la montée de la dépendance. Et, et là, euh, Jean-Luc, tout à l'heure, vous invitez naturellement, hein, en tant qu'Assemblée nationale, à, à réfléchir à ces problématiques. Oui, c'est réellement devant nous. Alors, là encore, considérer qu'on peut vraiment être des partenaires, parce que je crois que les uns et les autres, on essaye de trouver les meilleures solutions. Euh, là encore, je vous cite le cas de mon département. Je suis dans un département qui a un nombre d'EHPAD supérieur à la moyenne nationale. Donc, comme je suis supérieur à la moyenne nationale, si je demande une ouverture nouvelle. On me répond que je suis déjà très bien loti et que donc je ne suis pas du tout prioritaire. Sauf que je suis dans un département qui n'est pas très loin de la région francilienne que j'ai un certain nombre de Franciliens qui viennent profiter du climat tempéré et merveilleux normand, et en particulier calvadosien, et qui viennent plutôt vieillir, faire leur fin de parcours de vie plutôt dans le Calvados. Et donc j'ai au-delà des populations autochtones une augmentation effectivement de la population vieillissante. Et donc vous le voyez bien, je ne peux pas créer d'établissement et j'ai un montant croissant, non dépendant même de, du traitement de l'ensemble des populations du département d'origine. Par rapport à cela, qu'est-ce que nous essayons de faire Nous essayons effectivement de, de travailler de façon extrêmement efficace le maintien à domicile. Ça veut dire que nous mettons en place des politiques d'habitat pour traiter le problème de l'accessibilité. Et nous avons des programmes extrêmement ambitieux en la matière. Nous avons dév développé des réseaux d'aide, nous avons déployé le, le très haut débit, et nous sommes effectivement en développement d'un certain nombre de services qui permettent le maintien à domicile. Pourquoi je vous dis tout cela Simplement pour que vous compreniez bien que quand nous avons une compétence, nous essayons de, 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 de l'exercer avec agilité euh, véritable. Et c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que dans la répartition des, des responsabilités des uns et des autres, dans la non-demande éventuelle de nouveaux champs de compétences, ayez quand même en tête que de notre point de vue, la strate départementale est une strate efficiente et agile pour gérer de nombreux réseaux. Alors c'est vrai des réseaux routiers, c'est vrai des réseaux de très haut débit, c'est vrai des pistes cyclables, c'est vrai des réseaux électriques, c'est vrai demain, quand il va y avoir des actions à mener en matière d'eau dans la connexion d'un certain nombre de réseaux, oui, la strate départementale, sur cette gestion des réseaux, est particulièrement, objectivement particulièrement efficace, puisqu'elle a la dimension suffisante pour dépasser, entre guillemets, euh, l'approche de localité, et elle n'est pas suffisamment grande pour faire, en, en, pour faire comme effet que nous avons cette capacité à bien appréhender l'intégralité du sujet et d'être en capacité de mettre des politiques extrêmement efficaces. Donc si j'avais peut-être une phrase à vous faire passer, la strate départementale, c'est une strate efficiente sur les réseaux. Je sais pas si tu voulais. Alors, tarification des EHPAD... Oui, alors, en réalité, vous avez tout dit, madame la députée, c'est-à-dire du fait que nous ne sommes pas toujours, effectivement, décideurs de, de, de l'intégralité, mais nous pouvons l'être. La vraie difficulté, là encore, si vous voulez bien entendu, c'est un problème de moyens. C'est qu'il est évident que nous ne pouvons accorder que ce que nous avons capacité à financer. Et comme nous sommes financeurs principal, naturellement, le calcul se fait en intégrant évidemment l'ensemble de ces données. N'est pas vraiment répondu sur le conseil territorial, ou alors c'était, il fallait comprendre en disant c'est pas le moment de, de repartir sur une grande réforme institutionnelle, bien que, et ça c'est moi qui le rajoute, on a un, un sujet de participation, de lisibilité. Est-ce que c'est un, est-ce que votre réponse? Préliminaire en disant on n'est pas preneur d'un chantier institutionnel couvrez la réponse à notre collègue sur la question du conseiller territorial. Moi ce que j'ai ben pas du tout. Moi ce que j'ai compris de la question était le président de la République n'en parle plus. Pourquoi vous n'en parlez pas Mais nous n'en parlons pas parce que le président de la République <laughs> n'en parle plus. Alors je vous invite d'ailleurs à, à relire ou réécouter la déclaration de politique générale de la première ministre devant la représentation nationale et je crois qu'elle l'a citée. Peut... Peut... Allez-y, je... si c'est sur ce sujet, je vous en prie. Alors écoutez, je, je, je vais vous en dire quelques mots, puisque je siégeais au Parlement euh, lors euh, du passage euh, de ce texte au Sénat, <laughs> que le texte pouvait passer à quelques voix près, et qu'à l'époque d'ailleurs, étant vice-président et ayant une jurisprudence au Sénat qui faisait que quand on présidait la séance, on ne participait pas au vote. Le président m'avait gentiment demandé de présider. Ce que je n'avais pas fait. Euh, pour tout vous dire, euh, à, à l'époque, mon questionnement était de savoir quelle est la, la capacité des uns et des autres à, à gérer objectivement dans le temps les deux mandats. C'est-à-dire que s'il fallait aller vers le, le Conseil territorial, osons dire que nous allons pratiquement vers une professionnalisation de ce mandat d'élu. Puisque euh, vous êtes par exemple conseiller départemental des Hautes-Alpes... Vous avez, je crois, une vingtaine de conseillers départementaux qui doivent gérer toutes les compétences, participer à tous les conseils d'administration, siéger dans les différentes instances. Et en plus, qui doit prendre sa voiture pour aller à Marseille et siéger au sein du conseil régional pour effectivement, là encore, être dans l'ensemble des. Donc, il y a une interrogation. Là encore, ce n'est pas une réponse définitive, c'est posons-nous la question de l'impact que ça peut avoir. Et osons le dire. La deuxième chose, c'est euh, en réalité. L'ampleur, enfin le, le mode de scrutin qui est déterminé, et qui va notamment déterminer le nombre de conseillers territoriaux. Si, sur le dispositif initial, il s'agissait de prendre l'ensemble des conseillers départementaux, nous arrivons à des assemblées totalement pléthoriques et naturellement, vous l'imaginez bien, la réforme notamment des très grandes régions aboutit à des assemblées qui seraient bien supérieures à ce que représente aujourd'hui l'Assemblée nationale. Donc, Là encore, euh, interrogeons Ensuite, il y a euh, objectivement deux, deux visions qui peuvent être faites. Et je le dis là encore, euh, je, je le dis pour que les uns et les autres réfléchissent. Ce n'est pas une réponse euh, péremptoire. Est-ce que nous voulons une régionalisation des départements ou est-ce que nous voulons une interdépartementalisation des régions Et je vous pose vraiment la question. Oui, non mais, non, mais peu importe. Peu importe. Euh, et et, et la, la vraie question derrière, c'est la question notamment du mode électoral, pour lequel, me semble-t-il, euh, nous avons à, à réfléchir à peut-être trouver la quadrature du cercle, c'est-à-dire comment avoir des assemblées qui soient à la fois représentantes de la diversité euh, des sensibilités politiques, et notamment des minorités, et en même temps qui aient une accroche territoriale. Et vraiment, euh, je vous le dis... Parce que je mène actuellement une réflexion en la matière, pour l'instant elle n'est pas encore aboutie, donc je ne vous en dirai pas les conclusions, mais je, je pense qu'il y a vraiment une réflexion pertinente à trouver, à s'inspirer d'un certain nombre de modèles qui peuvent exister ici ou là, qui, qui peuvent être différenciés par rapport à ce que nous avons connu, et qui essaieraient effectivement de résoudre cette quadrature du cercle. Représentation d'un certain nombre de sensibilités et connectée au territoire. Parce que de notre point de vue de département, ça je crois vraiment qu'on peut l'affirmer, vous savez la force des départements. C'est bien d'avoir cette proximité. Pour ceux qui ont vécu la, la, la tempête de la fin du siècle dernier, je pense que vous l'avez tous vécu. Vous savez, en réalité, il y avait deux élus qui étaient mobilisés. Il y avait le maire et, à l'époque, le conseiller général. C'était les deux élus parce qu'on avait les routes départementales, parce qu'on avait etc. etc. et puis parce que le maire était évidemment en, en, en lui très très grande proximité. Donc, euh, ne faisons pas, n'aboutissons pas à des systèmes qui éloignent les citoyens. Des élus. Je le dis vraiment avec force parce qu'il me semble que dans un passé récent, des réformes diverses faites sous des majorités différentes ont quand même souvent abouti à un éloignement plutôt qu'une proximité. Les citoyens sont en demande de proximité et regardez, on a répondu par des cantons très grands, des intercommunalités quelquefois XXL qui n'étaient pas connectées à un affectio societatis ou un projet commun mais plutôt à une vision cartographique. Euh, un peu, un, un peu superficielle. Nous avons eu euh, des très grandes régions. Bref, à chaque fois, le sentiment d'une distance considérable que l'on mettait et que l'on agrandissait. Donc vraiment, si vous avez à réfléchir sur le sujet, permettez-moi, et, et j'aimerais que, que, que nous puissions y réfléchir ensemble. D'ailleurs, Monsieur le Président, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je, on, on l'avait dit en aparté, je renouvelle la proposition du Président Sovade de pouvoir avoir un groupe de travail où nous pourrions sereinement discuter tout ensemble de l'ensemble de ces sujets. Merci. Allez, Stéphane Travers. Merci, Monsieur le Président. Alors un certain nombre de choses ont été Porté dans les réponses que vous avez faites, notamment sur le, le, le sujet de la décentralisation, sur lequel je, je souhaitais euh, vous, euh, vous interroger. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec euh, la, la création ou la réactivation d'un certain nombre de, de sous-préfectures d'ici à la fin de l'année, l'inauguration d'une sous-préfecture en, en Mayenne, on a un nouveau chapitre du renforcement de l'État dans les territoires, avec notamment le, le maillage du réseau France Service. C'est un engagement qui, euh, euh, voilà, répond à une exigence de nos, de nos concitoyens, plus de prof et une meilleure prise en compte de la diversité de, des territoires. Et cette réelle décentralisation, c'est plus de liberté aux au départements et aux collectivités. Et en cela, dans le budget sur lequel nous sommes en train de, de discuter, le, le gouvernement rehausse son soutien aux collectivités locales à, hauteur, à une hauteur importante pour 95% d'entre elles d'ailleurs qui verront leur dotation se maintenir ou, ou progresser. Et moi, je souhaitais savoir, dans le prolongement de ce que vous nous avez dit, quelle pourrait être ces prochaines étapes de décentralisation euh, sur lesquelles vous, vous souhaiteriez euh, travailler dans les groupes de travail que vous proposez et nous y souscrivons euh, pleinement. Euh, quelle contractualisation euh, nouvelle euh, à, mettre, euh, à mettre en place Quelles modifications pouvons-nous apporter Vous avez fait euh, état tout à l'heure de euh, la question des transports scolaires qui euh, ont été euh, déportés du département vers, vers la région et là je rejoins et, euh, en, en constatant euh, comment cela fonctionne aussi dans mon territoire, je rejoins euh, votre préoccupation sur le fait que effectivement revenir à un échelon de proximité comme le comme le département euh, serait peut-être aujourd'hui beaucoup plus euh, beaucoup plus simple pour beaucoup de nos de nos de nos concitoyens également sur la politique vis-à-vis euh, -vis des collèges euh, longtemps dans les départements euh, la politique menée a été celle d'un canton d'un collège par canton et je parle des anciens des anciens cantons et euh, à l'heure où nous avons un certain nombre de départements euh, ruraux qui se vident euh, de leur euh, de leur population vous faisiez état tout à l'heure de, de collèges avec 80 élèves. Euh, Qu'est-ce que l'ADF porte comme vision là aussi sur le, le maillage de, de l'enseignement du second degré et des collèges sur le territoire national Et pour terminer le tour de table, Anne Brunier. Merci Monsieur le Président. Merci Messieurs les Présidents. J'aurais beaucoup aimé en tant qu'ancienne élue à la métropole de Lyon et toujours conseillère à Lyon, j'étais en conseil hier soir donc j'aurais des choses à dire aussi sur l'implantation locale, continue à la discussion avec vous mais je voulais vraiment aborder le sujet du handicap qui est un sujet écoutez dont on parle sur tous les marchés, c'est quasiment le sujet que je que j'aborde systématiquement avec mes concitoyens ou plutôt qu'ils abordent avec moi. Et donc ce qui me ce qui m'interroge c'est l'hétérogénéité des traitements entre MDPH, j'ai regardé un peu les délais alors je n'ai pas regardé vos départements, j'avais regardé celui de la Côte d'Or. Mais j'ai relevé, euh, et j'étais alertée d'ailleurs, puisqu'on est parfois alerté au-delà de nos départements, du délai de, par exemple, la MDPH de l'Essonne, qui a 7 mois de traitement euh, d'un dossier euh, euh, handicap, alors que la moyenne, puisque le baromètre vient de sortir, est à 3,9 mois. Euh, cette inégalité de traitement sur le territoire est vraiment euh, interpellante. Si je voulais vous demander... Je sais qu'il y a un travail en cours. Il y a eu, euh, en 2020, hein, je crois, un accord de méthode qui a été signé. Il y a un gros travail des départements pour cela. Mais comment harmoniser ce traitement Comment garantir une égalité de traitement sur le territoire national Est-ce que des échanges de services entre MDPH sont possibles Je sais que certaines sont accompagnées par le CNSA pour les aider. Euh, comment, comment aider pour que euh, un Français ou qu'il soit en France puisse avoir un dossier euh, concernant son handicap qui soit traité dans les mêmes délais et si possible aussi avec les mêmes résultats, ce qui est un autre sujet. Je vous remercie. Mais alors en 10 secondes, si à je six, me permets, Benitoïde. Euh, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez évoqué la question des 10 parce que sur les déserts médicaux, etc., ça nous pose des problèmes, notamment sur les départements ruraux et par rapport aux incendies. Donc si vous pouviez évoquer la situation très rapidement, je vous remercie. Et alors, si Bertrand, en 10 secondes aussi, on termine ce tour. Dix secondes également. Euh, la situation des MDPH évoquée par Anne Bruniera, euh, on a aujourd'hui effectivement un président du département qui préside la MDPH, où les notifications sont euh, délivrées pour la scolarisation des enfants euh, en situation de handicap. Après arrive un écueil, et on est très sollicités les uns les autres dans nos fonctions respectives sur, entre les délivrances de notification et les moyens mis en place par l'État, quel est le maillon qui manque aujourd'hui de concertation pour qu'on ne crée pas effectivement cette rancœur de la part de certains de nos concitoyens, parce que la notification a été attribuée et malheureusement en face, on n'a pas de moyens à mettre en place, alors que notre politique inclusive de ce gouvernement. Et je crois que la volonté elle est partagée, elle n'a jamais été aussi forte. Donc, comment est-ce qu'on peut, en lien entre État département, mettre en place les outils nécessaires pour une concertation beaucoup plus efficiente Merci. Euh, si tu me permets, Jean-Méon oui, Juste, bien. alors, sur, sur ces derniers points, je reviendrai sur un ou deux après, mais sur ces derniers points. D'abord, ce qui est intéressant, c'est la manière dont, dont les choses sont restituées. Et objectivement, vous avez lu un, un résultat d'évaluation moyenne de traitement de dossiers. Euh, ce qu'il faudrait, c'est regarder qualitativement. Traiter un dossier de demande de carte de stationnement, ce n'est pas la même chose que traiter un dossier de demande d'adaptation du logement. Et je peux vous dire, pour avoir fait un peu le travail autour de la MDPH Girondine et pour avoir eu un regard un peu plus fin là-dessus, que certaines demandes sont traitées relativement vite. Mais quand on est sur, par exemple, l'adaptation du logement, il faut une visite sur domicile, il faut ensuite solliciter les devis auprès des entreprises qui les fournissent aussi dans leur délai qui est le leur. Et le temps que tout remonte et que nous puissions traiter le dossier, il s'écoule plusieurs mois. Et souvent aussi, ce qui est apprécié par, euh, par ceux qui déposent des demandes, c'est à partir du moment où ils ont déposé la demande, pour eux, ils considèrent que c'est le début du délai euh, d'instruction. Et parfois, entre le moment où le dossier est déposé et le moment où il est réellement pris en main par les services, il peut s'écouler un petit peu de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la MDPH de la Gironde, nous traitons 120 000 dossiers par an. Voilà, donc il faut avoir cet ordre d'idée-là. Donc je pense qu'il faut regarder au moins autant qualitativement que quantitativement euh, cette question-là. Et là, effectivement, nous pouvons euh, euh, voir au niveau des départements peut-être des disparités. Vous l'avez évoqué, la CNSA a proposé son aide. Alors, la Gironde en fait partie et souhaite effectivement avancer là-dessus. Il y a parfois des questions d'harmonisation des logiciels également et de la capacité à avoir un traitement euh, informatisé global. Pour être clair avec vous, en 2015, quand j'ai pris la présidence en première fois de la Gironde, euh, je suis allé visiter le premier service que j'ai visité, était la MDPH. J'ai été reçu par un agent d'accueil qui m'a dit Bienvenue dans la préhistoire de l'administration, monsieur le président. Et en fait, j'ai découvert que rien n'était numérisé à ce moment-là. Donc, depuis, nous avons numérisé d'abord les stocks, puis les flux. Donc, voilà, les choses avancent, mais effectivement, il reste des marges de manœuvre. Et c'est impératif ce que vous dites, parce que l'action publique départementale. Enfin, L'action publique en général, mais départementale en particulier, est souvent jugée à l'aune, puisque nous revendiquons d'être une collectivité de proximité, à l'aune de sa réactivité, de son efficacité, de sa rapidité. Donc ces sujets-là sont fondamentaux pour redonner confiance dans les administrations en France et donc pour redonner confiance aussi dans le politique. Sur la question éducation, alors l'articulation, enfin, j'ai envie de dire que si la MDPH a considéré que l'enfant pouvait être scolarisé. Avec l'accompagnement d'une AESH, ça veut bien dire que la situation le justifiait et que cet enfant peut être scolarisé en milieu normal, accompagné. Le vrai problème ensuite, ce sont les moyens qui sont déployés au niveau de l'éducation nationale et qui ne permettent pas toujours d'avoir les AESH. Et donc effectivement, on se trouve avec des situations de famille qui sont dans l'incompréhension parce qu'elles disent Mais après tout, j'ai droit à une AESH, mon enfant a droit à une AESH et euh, nous ne l'avons pas. Et là, je pense qu'il faudra peut-être voir comment côté éducation nationale. Et nous, enfin, je m'en suis ouvert personnellement auprès de, de la rectrice et de la directrice d'académie en disant il faut véritablement que vous déployiez les moyens qui correspondent aux notifications qui sont accordées par la MDPH. Donc, je n'ai pas de réponse aujourd'hui à vous donner là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment cette articulation qu'il faut travailler. Sur la question de l'inclusion, je vais y revenir pour dire un petit mot. Attention. Au cache-sexe de l'absence d'établissement adapté à certains parcours de vie. L'inclusion n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse. Elle peut l'être dans un certain nombre de situations et il faut la développer impérativement parce qu'elle permet de garantir aussi la considération de la pleine citoyenneté de la personne en situation de handicap. Mais parfois, la personne peut nécessiter aussi qu'un établissement lui soit proposé parce que dans la logique du parcours qui est le sien, eh c'est l'établissement qui est plus adapté. Or, Faute de femmes, faute de masse, faute d'ITEP ou faute d'IME, à certains moments, il n'y a pas de proposition en termes de, de parcours de vie euh, au travers d'un établissement. Ce qui est une difficulté, parce que ça veut dire tout d'abord que, un, la personne n'a pas la bonne prise en charge, et ça, c'est le plus catastrophique. Deuxième problème, c'est que euh, parfois des, des personnes se retrouvent en accompagnant, en aidant, en grande difficulté parce que la personne reste au domicile et qu'elle ne devrait pas rester au domicile à ce moment-là. Puis la troisième conséquence, c'est que c'est une prise en charge par, via une PCH 24 heures sur 24. Et les coûts d'une PCH 24 heures sur 24 sont tout à fait conséquents. Alors évidemment, nous le faisons parce qu'il faut absolument accompagner la personne, mais à certains moments, ça n'est pas la bonne réponse par rapport à la situation. Deux mots ensuite très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, sur... Déconcentration, alors le, le, le député tout à l'heure qui, qui l'a évoqué est parti, mais. Ah non, c'est vous qui l'avez évoqué. Euh, vous avez évoqué la, la remise en place des sous-préfectures. C'est de la déconcentration. Et vous vous posez la question de la décentralisation. Donc, euh, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans les propos récents de la Première ministre, notamment auprès des départements de France, elle réaffirme la position de l'échelon départemental, mais parfois elle l'a traduit au travers de l'organisation des services d'État déconcentrés. Ne confondons pas les deux. La déconcentration est une chose et elle est souhaitable, et je pense que nous revendiquons qu'elle soit souhaitable au niveau départemental, mais c'est vraiment la question de la décentralisation qui doit être prise en compte à notre niveau et qu'il faut arriver à traiter. Alors, un dernier mot sur le conseiller territorial. Je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de la décentralisation. La question est simple quelle est la plus-value d'un conseiller territorial En quoi y a-t-il une plus-value à fusionner un exercice régional et départemental par rapport à la séparation des pouvoirs, ou plutôt des, des hémicycles aujourd'hui. Parfois, il est évoqué la question du millefeuille administratif et du mélange des compétences. Je n'ai pas le sentiment que nous nous confondions entre la région et les départements, en tout cas dans l'action dans qu'on peut avoir en Gironde avec la région de Val-Aquitaine. Mais alors, il y a parfois quelques compétences qui peuvent être un peu croisées le sport, la culture, le tourisme. J'ai souvent remarqué que les associations aiment bien aussi pouvoir être financées à la fois sur le volet régional et sur le volet départemental, ainsi que parfois les acteurs touristiques. Donc quand il n'y a plus que euh, l'un ou l'autre qui finance, souvent on vient nous dire que c'est dommage parce qu'avant il était plus facile d'avoir plus de financement à la clé. Voilà, donc je, je, je pense que la question de la plus-value du conseiller territorial est pleine et entière. Et la proposition d'un groupe de travail euh, me semble tout à fait intéressante, nous allons discuter à, à l'ADF, de manière à ce que nous puissions aussi nous, vous apporter notre regard sur l'efficacité ou pas du passage. Conseiller territorial. Oui. Euh... Sur le, Stéphane, sur, les... sur les... le maillage de France Service, donc effectivement, c'est une grande satisfaction, sachez-le, pour le Calvados, parce que nous avons le sentiment d'être à l'origine de cette politique. Puisqu'il y a 20 ans, nous avons lancé ce que nous appelions les points info 14. Il y a 20 ans, en anticipant à la fois un problème de rupture territoriale, de déconnexion et de recul de services publics, et deuxièmement la montée de la numérisation et la déconnexion d'un certain nombre de, de, de personnes. Et donc nous avons testé cette politique et nous l'avons développée de telle sorte que aucun habitant du Calvados soit à plus d'un quart d'heure d'un point info service, d'un point info 14. L'État a développé ses Maisons France Service en, bah, par plusieurs étapes, et il nous a paru intéressant, en réalité, non pas que l'État restructure en redondance un réseau parallèle, mais qu'en réalité, nous travaillions ensemble. Ce que nous avons fait, avec un préfet d'ailleurs euh, extrêmement euh, pertinent à la matière. Force est de constater aujourd'hui que dans cette démarche conjointe, il y aurait une tentation d'une des parties de s'approprier l'ensemble. Et donc, c'est une interrogation pour l'avenir, je le dis. Parce que, comme nous avons un maillage très fin, si nous nous retirerions de ce dispositif, je pense qu'à terme, nous aurions le fait qu'on revisite l'ensemble de cette proximité et peut-être une remise en cause. Donc, là encore, pourquoi je vous dis cela On peut monter un certain nombre d'opérations intéressantes, véritablement, les uns avec les autres. Sur. La, la déconcentration, juste un tout petit mot pour vous dire que je suis assez fasciné de voir qu'effectivement l'État aujourd'hui se repréoccupe vraiment, mais en, en toute sincérité, de l'échelon départemental, qui montre qu est, que le périmètre départemental est pertinent pour mener des politiques. Et donc ce qui est vrai, évidemment, de l'administration centrale, l'est encore plus vrai d'une assemblée élue démocratiquement. J'ai juste une petite proposition qui peut choquer quelques-uns. Je pense que dans... Euh, l'avenir de l'organisation territoriale de l'État, moi je ne serais pas contre ce que le préfet de région soit, ne soit pas en même temps préfet de région et d'un département. Car il a en réalité un strabisme départemental qui est fort, qui est très fort. Et ça, je peux le démontrer. Et je peux le démontrer vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, euh, il me paraîtrait normal que ce préfet de région circule de façon équitable sur l'ensemble des territoires dont il a la charge, et non pas passe 90% dans un département où évidemment il est en lien de proximité, c'est légitime, avec un certain nombre de décideurs. Et ça se voit notamment au moment de la contractualisation des CPER, dont nous aimerions qu'il ne s'appelle même pas CPERD, c'est-à-dire région et département, mais contrat... Euh, en fait, euh, contrat de, de, de projet euh, État, territoire. Territoire. Parce que quand vous avez des métropoles ici qui, comptent, qui vont contractualiser, quand vous avez des départements qui vont contractualiser, il me semblerait logique et cohérent que nous participions à l'ensemble des discussions et au montage des dossiers. Alors, Stéphane, sur les collèges, pour tout te dire, il euh, n'y a pas de position homogène. Il n'y a pas de position homogène parce que, honnêtement, c'est un sujet très difficile. Alors, je peux te faire part, moi, de, de la politique que je mène, euh, qui est une politique difficile et qui est complètement différente de celle de Jean-Luc, parce que vous l'avez compris, Jean-Luc est en dynamique de population, donc lui, son problème, c'est de trouver les financements pour financer un collège nouveau supplémentaire, tout ça dans le cadre de l'enveloppe de l'évolution des dépenses dont vous avez évidemment connaissance. Moi, c'est l'inverse, j'ai une population qui décroît. Et je me suis retrouvé avec un certain nombre de situations où j'avais des collèges de 600 places, qui avait un nombre de collégiens qui passait à 500, puis à 300, puis à 200, puis à 150. Et qu'avons-nous constaté en réalité quand on arrive dans un collège de ce type, y compris en milieu urbain on, on assiste à une démobilisation évidemment du corps enseignant, puisque en réalité ils ne sont même pas à plein de temps dans le même établissement. Et nous assistons à un concentré en réalité de difficultés de parents qui, pour les uns, ont anticipé ce recul et ont externalisé l'enfant. Et ceux qui n'ont pas cette capacité d'anticipation et qui, effectivement, font qu'ils se retrouvent véritablement avec des grosses difficultés. J'ai donc pris, j'ai fait prendre à l'Assemblée départementale des décisions de fermer des collèges. Et je le dis d'autant plus courageusement que je suis encore dans cette période en fermeture d'un collège. Très honnêtement, la facilité, c'est de ne rien faire c'est de laisser pourrir les situations voire diminuer le nombre d'enfants, qui sont en réalité des enfants sacrifiés en partie. Mais je peux vous dire que prendre la décision de fermer un collège, c'est affronter objectivement l'ensemble des autres acteurs. Mais ce que je voudrais vous dire, et ça c'est quand même un élément extraordinaire d'optimisme, dans toutes les décisions qui ont été les nôtres, nous avons assisté quelques années après à une augmentation du succès au brevet de l'ensemble des collégiens concernés. J'ai même eu un collège où nous sommes passés de 40 à 82 de réussite au brevet. Donc oui, les décisions sont difficiles à prendre, mais le résultat effectivement sur les populations concernées, au premier lieu et les enfants, est à mon avis quelque chose d'extraordinairement positif. Et puis un dernier mot sur la MDPH. Jean-Luc a très bien répondu. Je voudrais simplement vous dire, puisque j'ai aussi présidé la MDPH, simplement vous dire que euh, lorsque nous avons monté la MDPH, nous avions, vous le savez bien, des apports de personnel provenant d'un certain nombre d'institutions collectivités. Et donc, je suis parti avec un certain nombre de fonctionnaires de l'éducation nationale, bien sûr du département, etc. Et puis, au gré de la vie professionnelle, des départs en retraite, des mutations des uns et des autres, en réalité, nous avons été confrontés par plusieurs fois à des départs de fonctionnaires d'État. Non remplacés. Non remplacés. Donc, nous sommes intervenus. J'ai même dû aller au tribunal, j'ai gagné, et j'ai gagné sur une compensation N d'un montant de rémunération non revalorisé dans le temps. Donc, le problème aussi derrière la question que vous avez posée, qui est tout à fait juste, c'est comment maintenons-nous, quand on est à plusieurs dans une, une, dans une organisation, comment maintenons-nous l'effort des uns et des autres suffisamment de façon parallèle et cohérente Et c'est une vraie question, je pense, qu'il faut là aussi poser. Il n'y a pas d'agressivité, il y a simplement des dysfonctionnements qui arrivent au gré du temps et qu'il nous faut résoudre. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être, pour conclure, répondre à la question que vous nous avez posée, ou du moins la, la proposition de, de, de travailler ensemble. J'y mettrai, et je le dis avec avec beaucoup de, de rondeur, une seule par contre condition. C'est que dans ce cadre-là, on ne cède pas au discours antiparlementariste un, un peu facile. Je, je, je le redis, je pense que vos mots, cher Jean-Luc, ont un peu dépassé votre pensée. Moi, j'ai connu des parlementaires cumulards complètement déconnectés et des parlementaires qui n'avaient que ce mandat très ancré. Donc voilà, si on respecte juste cette règle du jeu entre nous, ça sera avec plaisir en vous remerciant une nouvelle fois pour pour ces échanges nourris et que j'espère que nous aurons l'occasion de, de reproduire dans un temps court avec ce, ce nouveau pacte territorial à construire. Merci beaucoup. Merci.